Bonjour à tous, je m'appelle Eddy, j'ai 48 ans et je suis plutôt bricoleur et comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis déjà plutôt adepte de la gamme Ryobi One Plus et aujourd'hui je teste le couloir agrafeur Ryobi One Plus HP Brushless R18GN18X. Alors on se retrouve dans cette boîte, évidemment la notice, la machine, des clous, ce qui va me permettre de tester tout ça, le crochet de ceinture, très pratique, c'est autant pour gaucher que pour droitier, les fixations des deux côtés. Et la petite brochure qui présente tous les autres produits de la gamme. Hyper sympa, Ryobi m'a fourni une batterie de 4 A avec un chargeur. La machine a une très bonne prise en main, on voit que le grip ici est très agréable. Ici on retrouve la gâchette pour le manuel, ici on a un petit bouton pour la lumière. À l'arrière on retrouve le réglage de puissance, moins, plus. À l'avant sur le côté on a un réglage de profondeur. Sous la gâchette on retrouve le mode manuel ou automatique. Ici on retrouve le bouton pour ouvrir le magasin. Au bout du canon, on retrouve un embout de protection et un embout de rechange juste ici. Le chargement est très facile, on ouvre ici, on place les clous, on referme, on a une petite fenêtre pour voir ce qui reste comme clou. Et si malencontreusement un clou venait à se tordre, on a la gâchette en haut pour libérer le magasin. Donc on place la batterie et c'est parti. Là j'ai un morceau de palissade de jardin. Et on peut voir que ça tient déjà très bien. En mode rafale, ça enclenche dès qu'on appuie sur la pointe. Et c'est hyper rapide. Parquet en chaîne. Et les clous traversent sans souci. Alors un grand merci à Ryobi de m'avoir confié cette machine pour faire ce test. Elle est vraiment bien. La prise en main est géniale. On sent que c'est du costaud, qu'elle est hyper puissante. J'ai plein de travaux à faire en projet, notamment un abri à bois dans mon jardin. J'ai un compost à construire, les plantes à finir dans la chambre de mon fils. Donc j'ai hâte de pouvoir faire tout ça. Et en attendant, elle rejoint ma collection. Et moi, je vous dis à bientôt.